C'est sûr que je trouvais l'idée audacieuse, mais Robert Lepage fait jamais les choses comme les autres. Je voulais être témoin du processus créatif de Kanata et je trouvais important de documenter ces deux années-là de recherche et de création. Robert travaille vraiment d'une autre façon. Au tout début des répétitions, le premier jour où on a travaillé avec lui, il nous a dit « Bon, ben voilà, nous raconte l'histoire. » Et à un moment, il nous dit « Ben, on a un quart d'heure, je vous donne 15 minutes et on essaie de travailler sur ça, sur ce monde-là. » Et tout d'un coup, tout le monde a disparu. Tous les acteurs ont disparu. Tous. Et au bout de 5-10 minutes, il s'est dit « Mais ils sont où ?» Et on était tous partis dans les placards pour aller chercher des choses, pour pouvoir revenir habillés. Et là, il a dit « Bon, les amis, je sais que vous travaillez comme ça. Là, ça ne va pas être possible tout le temps. On va peut-être rapporter deux, trois choses si vous avez besoin d'un accessoire. Ça, mais peut-être commencez pas à créer des costumes pour pouvoir faire juste une petite impro. » Donc ça a été aussi très intéressant pour nous.